L'équipement complet fait environ une vingtaine de kilos, donc tenue de feu, plus l'appareil respiratoire isolant. Déployer la grande échelle pour la gravir, parfois croiser un collègue en pleine ascension, cela fait partie des exercices quotidiens, en plus des interventions. Quand vous montez sur une tour de 15 étages à équiper entièrement pour aller éteindre un feu d'appartement, oui, c'est physique, oui. Et quand vous êtes arrivé en haut, vous n'avez pas éteint le feu d'appartement. 30 flexions, moins de 45 secondes. Pour rester opérationnel, les pompiers sont suivis de près par leur service de santé et de secours médical. Le médecin des pompiers valide l'aptitude, une étape indispensable, majeure, mais aujourd'hui, il a aussi un rôle de veille à travers de simples conversations. Il y a quelques années, par exemple, en discutant comme ça, j'ai évoqué un peu une difficulté opérationnelle. Ma difficulté opérationnelle, j'étais plongeur. Plonger, aller chercher bien souvent des personnes décédées, parfois au bout de quelques semaines, quelques mois, c'était quand même... Et j'ai commencé à avoir une difficulté, je l'ai évoqué, et ça m'a permis tout simplement de dire, bon voilà, c'est plus pour moi, quoi. Ça fait pour moi partie de l'examen complet, parce que ça me permet de ressentir la santé mentale, psychologique du pompier qui est en face de moi. Traumatisme lié à une intervention marquante ou accumulation de faits plus anodins en apparence, les épreuves des pompiers ne sont pas seulement physiques. Et il y a quelques années, à la suite d'un accident particulièrement marquant, une unité de soutien psychologique a été mise en place. J'étais très à l'aise dans l'eau, enfin je pense, j'étais assez à l'aise dans l'eau, mais le moment où il faut aller chercher quelqu'un, on sait qu'il est là. J'ai fait aussi des choses un petit peu compliquées dans l'eau, où c'était un puits, c'est très serré, c'est profond, c'est noir, et on sait qu'il y a quelqu'un au fond, c'est pas, voilà, je pense que c'est pas évident, quoi. On a réussi à désamorcer, désescalader ta difficulté d'intervenir dans l'eau. À la caserne ou même en ville, pour plus de discrétion, les pompiers peuvent recevoir un soutien spécialisé. Cette prise en compte a été facilitée, notamment par une féminisation du métier, mais il est encore parfois difficile d'assumer ses doutes et d'oser en parler. J'ai vu aussi des jeunes qui ont été traumatisés trop vite. Voilà, trop vite. Parce qu'il fallait absolument... Allez au bout, t'es pas là pour pleurnicher, voilà, on est pompiers quand même, on est des bonhommes, ben non, on a tous nos faiblesses. Il faut aussi reconnaître les changements de comportement qui peuvent, à l'extrême, aboutir à des dépressions ou des suicides. Si au bout de un mois et demi, il y a toujours des images, toujours la sensation que le feu est là, l'odeur est là, ou le corps que j'ai pu ramasser est encore dans mes mains, ça devient gênant, ça devient... traumatisant, et ça empêche de fonctionner. Et ça empêche de fonctionner dans son travail et dans sa vie. Et c'est là qu'il faut venir consulter. L'enjeu est maintenant d'encourager toutes les générations à s'exprimer et à entendre les émotions des autres, libérer la parole pour prendre soin de ceux qui nous protègent.